Bonsoir, une information pour les personnes qui sont à distance. Nous avons un petit retard parce que nous attendons encore un panéliste. Nous devrions commencer dans maximum 5 minutes. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici pour la deuxième conférence du cycle Homo Numericus qui a été organisée en collaboration avec l'ambassade de France, le service public fédéral, Stratégie et Appui, AI for Belgium, et pour cette séance-ci, l'Université libre de Bruxelles. La thématique concerne les compétences du XXIe siècle. L'ensemble du cycle, en fait, aborde les questions du numérique dans notre quotidien. Et en prélude à la présidence française de l'Union européenne, cette collaboration trouve tout à fait sa place pour échanger sur les priorités de l'agenda digital des gouvernements belges et français par ailleurs. Alors, on a le plaisir d'accueillir des personnalités et belges et françaises
pour échanger sur ces différentes thématiques. Et bien sûr, on vous invite à poser des questions, à être interactif aussi. Donc, dans le décours, donc je rappelle, c'est enregistré ici, c'est live streamé. Les personnes qui parlent néerlandais peuvent avoir un casque pour la traduction. Et sur le live stream, on reproduira aussi cette traduction en néerlandais. Alors, j'ai le plaisir de modérer cette session avec la vice-rectrice Nadine Postio, vice-rectrice à l'enseignement et à la qualité de l'Université libre de Bruxelles. Et je vais immédiatement te passer la parole. Merci, Nathanaël. Bonsoir à tous. Et donc, c'est au nom de notre rectrice qui, malheureusement, est empêchée pour des modifications de dernière minute liées au Codeco de demain et à la Saint-Vé de vendredi. Beaucoup de perturbations dans les jours à venir pour notre université, malheureusement. Et donc, c'est en son nom que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Je suis d'autant plus heureuse d'ouvrir cette conférence que l'ambassade de France est une des ambassades avec laquelle l'ULB a le lien le plus étroit. Et ce lien est privilégié et relativement ancien. Ça fait bien longtemps maintenant que les relations sont proches, puisque déjà en 2015-2016, l'ULB avait décidé de consacrer son année thématique à la France. Alors, la conférence de ce soir est bien entendu un exemple de cette collaboration. Et ce lien privilégié entretenu avec l'ambassade est en réalité représentatif des liens qui unissent notre université à la France. La France est un de nos partenaires internationaux les plus importants en Europe. J'en veux pour preuve le nombre d'étudiants de nationalité française inscrits dans nos diverses facultés. 5900 étudiants français à l'ULB cette année, record battu. L'existence de près de 80 accords Erasmus. Le fait que la France est l'une des principales destinations européennes de nos étudiants qui quittent et qui vont suivre un programme à l'étranger, ainsi que le pays européen qui fournit le plus d'étudiants en mobilité. Les doubles diplômes sont également extrêmement nombreux, à la fois en ingénierie, mais également en droit avec l'Université de Grenoble. Et bien sûr, nous avons un partenariat tout à fait privilégié dans le cadre de notre alliance européenne, où nous sommes vraiment main dans la main avec l'Université Aix-Marseille. Donc vraiment, l'ULB et la France, c'est une longue histoire. Et donc, avant de céder la parole, je voudrais vraiment remercier l'ambassade de France pour son aide dans l'organisation de cette soirée. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je ne peux pas citer la précédente ambassadrice qui vient de quitter sa fonction et je ne peux pas non plus vous donner, citer le nom du prochain ambassadeur parce qu'il n'a pas encore reçu ses lettres de créance, mais il s'agit de M. François Sénemaux. Et donc, voilà. Merci surtout à Maëlle Lebail de l'ambassade de France que je ne vois pas, voilà, qui est là-bas, et qui nous a vraiment aidés avec Emma, qui est ici devant, à organiser la conférence de ce soir. Et enfin, merci à Nathanaël, à qui revient l'idée de cette conférence, et qui est par ailleurs un ancien de la maison, même promotion que moi. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire aussi. Alors, à deux, nous aurons le plaisir de vous accompagner pour cette soirée. Et d'emblée, je vais céder la parole à quelqu'un qui non plus n'a pas pu se dégager. Il s'agit de notre ministre Valérie Glatini. Et alors, bonjour à toutes et à tous. Les compétences du 21e siècle... Oui, on peut attendre pour le lancer ? Je vais vous citer ces compétences parce que ça ne s'invente pas. Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vous voyez, je pense qu'elle est fort chargée. Et donc elle nous a envoyé un petit message pour lancer la soirée. Et donc je regarde côté technique. Voilà. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous. Les compétences du XXIe siècle et la révolution de la formation à l'heure du numérique sont des enjeux essentiels et ils sont au cœur de nos préoccupations. La crise du Covid nous a fait prendre conscience d'un certain retard en matière d'équipement numérique et de capacité d'usage, que ce soit pour nos enseignants ou encore pour nos étudiants. Et nous sommes confrontés depuis plusieurs années à des pénuries de travailleurs dans les domaines technologiques ainsi qu'à un manque de soft skills en la matière. Ce déficit, il concerne tout le monde, y compris les managers, et nous constatons également un manque de compétences numériques de base. À cet égard, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai souhaité m'emparer de cette problématique via plusieurs leviers d'action. Et tout d'abord, la réforme de la formation initiale des enseignants. En effet, la manière d'envisager l'éducation traditionnellement ne repose pas sur le développement des soft skills. Mais on le sait, il ne suffit pas de décréter un changement pour qu'il advienne, il faut offrir un nouveau cadre pour expérimenter de nouvelles pratiques. Ensuite, nous avons débloqué des moyens pour les équipements informatiques dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement de promotion sociale, moyens qui ont été très largement augmentés grâce à l'intervention du plan de relance européen. Parallèlement à cet équipement, j'ai prévu des moyens pour la formation des professeurs, notamment pour les soutiens par les pairs. Et enfin, pour cerner au mieux la problématique, nous avons aussi financé une recherche sur l'impact de la crise sanitaire en matière de transformation numérique. Cette étude, qui sera menée par une équipe de l'ULB, devra permettre de cerner les besoins en la matière et j'attends avec impatience les conclusions et les recommandations. Comme vous le voyez, les défis sont importants, mais des initiatives et des solutions existent. Je vous souhaite, dans tous les cas, une excellente conférence à tous. Bon travail. Merci, Madame la Ministre. Voilà, donc on peut commencer. Je vous assure que préparer ces conférences, je voulais aussi remercier fort Thomas Michelon, qui est le directeur du service culturel de l'ambassade et qui a été aussi une cheville ouvrière de l'organisation de ce cycle. Le Covid, la technique, les choses hybrides, le multilingue. Bon, on est dans cette phase homo numericus, mais on expérimente encore. Alors, on a le plaisir de commencer par deux keynotes, et puis elles seront suivies par un panel. Et comme première keynote, j'ai le plaisir d'inviter Saskia Van Uffelen. Saskia Van Uffelen est impliquée dans les technologies informatiques depuis plus de 25 ans, notamment au niveau vente et marketing. Elle a travaillé dans les plus grands groupes comme Xerox, Compaq, Ericsson, Inetum. Depuis 2012, c'est notre digital champion auprès de la Commission européenne et donc elle porte ces sujets depuis très longtemps. Elle est la responsable de la coalition pour les compétences digitales et pour la professionnalisation au niveau belge. En 2011, elle a été nommée comme ICT Woman of the Year. Elle a aussi d'autres titres et nominations au cours de sa carrière. Elle est active notamment au niveau des Digital Minds et c'est certainement une personne essentielle dans notre écosystème en Belgique. Saskia, je te cède la parole pour une keynote. Alors évidemment, le sujet peut aborder énormément d'aspects. Saskia va plus nous parler de formation, d'emploi, du futur sur ses compétences numériques. Peut-être un scoop aussi, je ne sais pas. Ah, pas de scoop, pas de scoop. Je vais essayer. Messieurs, mesdames, bonsoir. Ce que Nathaniel a oublié de dire, c'est que normalement, j'ai un diplôme pour être devant la classe ou pour au moins donner de l'éducation physique, mais je suis tombé dans le secteur de la technologie et resté dedans. Mais c'est pour dire que j'ai quand même beaucoup de mon cœur qui est avec tout ce qui concerne la formation, l'éducation, mais que j'ai plutôt fait des rôles dans le secteur en exécutif, local et international. Et donc je vais aussi essayer de partager un peu avec vous pourquoi est-ce qu'on fait des études et comment est-ce que le marché d'emploi par après évolue. Parce que souvent, on entend dire qu'il y a un écart entre les compétences des étudiants et ce que le marché en a besoin. Et moi, je vais essayer de vous amener en 2040 et un peu de montrer où on va. Maintenant, la raison pourquoi je fais le rôle depuis 2010, je dis toujours, c'est ma responsabilité sociétale. Je le fais en plus et je le fais toute seule avec beaucoup de support des gens qui veulent m'aider. Mais je trouve que tout le monde a une responsabilité sociale à prendre et le rôle de Digital Champion pour moi en est un. Parce que je voudrais être fier dans
vis-à-vis de mes enfants et de nos petits-enfants, que j'ai fait des pas, que j'ai essayé à aider des progrès, qu'eux, ils peuvent en profiter. Parce que soyons honnêtes avec vous, déjà de voir des résultats dans un secteur qui est le domaine de l'éducation, ce n'est pas nécessairement très réaliste. J'essaie d'aider à exécuter l'agenda numérique d'une façon efficace, oui, mais inclusif et sécure, et avec une priorité quand même sur tout l'aspect, trouver un équilibre de nouveau entre la prospérité et le bien-être. Pour ceux qui ont vécu 2020 comme moi, ça m'a mis quand même un peu mes pieds par terre en disant, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être autant d'heures dans des embouteillages, de toujours aller vers des événements externes? J'ai quand même appris que le bien-être et la prospérité demandent quand même un point d'attention. Mais si on regarde un peu sur l'époque numérique, et je dois souvent expliquer quand même que le numérique n'est pas seulement la technologie. Premièrement, supposons que j'allais faire la présentation telle qu'elle. Il y a quelque chose dans mon éducation qui dit que ce n'est pas très respectueux, mais c'est ça qui se passe. C'est une photo qui est prise dans les élections précédemment aux États-Unis. Ce n'est pas la technologie qui fait changer le monde, c'est le monde qui change. Et on n'a pas le choix que de s'adapter et de préférence, certainement dans le domaine d'apprentissage et d'éducation, d'être en proactif en amont, en sachant que le monde tel quel a évolué dans ce sens-là. Premièrement, deuxièmement, tout le monde et tous les éléments sont déjà connectés. Ça nous a sauvés en 2020. J'ai écrit un livre qui s'appelle, en traduction française, « Oser pour demain ». Et j'ai dit, espérons qu'on n'a pas besoin d'une guerre pour se réaliser qu'on ne peut plus tirer sur l'élastique. On a eu une guerre. Et mon cœur est avec tous ceux qui ont été impactés physiquement ou moralement. Mais on a eu une guerre, mais heureusement que la technologie était encore là. Heureusement que la connectivité était encore là, parce que ça, à côté de l'électricité et de l'énergie, ça nous a aidés. Mais le fait que tout le monde est connecté, ça veut dire que c'est un monde à l'envers. Mes enfants, et j'en ai 5, donc je peux parler un peu d'expérience, mes enfants trouvent qu'ils sont meilleurs profs que les profs. Je travaille beaucoup avec la politique, tous les citoyens pensent qu'ils sont meilleurs ministres que les ministres. Le médecin n'a plus rien à dire parce que le patient, d'abord, il est allé chez Dr Google et il sait ou elle sait ce qu'elle a et au moins, le médecin doit le confirmer. Mais ça veut dire que le monde est à l'envers et que hier, c'était facile parce que le médecin pouvait dire, la politique pouvait dire, et maintenant, on a des gens qui réagissent, on a des gens qui ont une interprétation de l'information qui est vraie ou qui est fausse. Mais le monde est à l'envers. Donc ça demande déjà des compétences d'autres que celles qu'on a reçues. Le fait que tous et tout le monde est connecté donne aussi le fait que le concurrent ne vient pas du secteur. J'ai été administrateur dans une université et j'ai osé dire le concurrent de l'université ne sera pas une université. Le concurrent dans le domaine de l'éducation n'est plus une éducation qui va vers un diplôme, qu'on a un certain moment dans le temps, et puis on travaille jusqu'en en Belgique, au moins, on a 67 ans, et là, on va commencer à profiter de la vie. On apprend constamment, on est obligé d'apprendre constamment, et on est obligé d'apprendre à tout le monde à apprendre constamment. Donc c'est pour ça que le concept au niveau de lifelong learning a une nécessité, parce que je n'ai pas besoin des spécialistes en technologie dans le secteur de l'informatique, j'ai des gens qui savent réfléchir d'une façon créative, innovative, qui ont de l'empathie, parce que l'intelligence artificielle va déjà faire tout ce qui concerne le hard stuff. Jeroen, qui est le chef au niveau d'une étude qu'on a fait, Be the Change, a montré que ce n'est pas les robots qui prennent nos jobs. Pour tous les jobs qui disparaissent, on est en train de créer 2,8 en plus en Belgique. Mais la question, c'est quelles sont les compétences qu'on aura besoin pour effectivement remplir ces fonctions. Moi, j'ai une vision 2040. 2040, moi, comme citoyenne, je voudrais avoir une facture. Une facture qui contient l'éducation de moi, de mes enfants, le gaz, l'électricité, les utilités, l'assurance, le transport, le télécom, et tout sur une facture. Ça veut dire qu'entre maintenant et 2030, tous les secteurs doivent se mettre ensemble. Parce que moi, je ne vais plus changer d'avis. Ça veut dire que les compétences ne peuvent plus être des compétences dédiées à un secteur.
J'ai besoin des gens qui savent travailler d'une façon multidisciplinaire. J'ai besoin des gens qui savent mieux collaborer, travailler ensemble avec des gens qui étaient peut-être leurs concurrents. Que les gens comprennent les fonctions, qu'ils comprennent les intérêts des différents métiers pour pouvoir y arriver. Data, bien évidemment, est un élément important, mais ce qui me manque, et laisse-moi quand même aussi au niveau d'éducation, ce qui me manque beaucoup, en dehors de cybersécurité et GDPR, c'est la gestion d'une façon éthique au niveau de data. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'un chief digital officer ou data officer dans les sociétés. J'ai besoin des gens qui ont un comportement et qui réalisent que d'avoir une responsabilité éthique au niveau de data, c'est la responsabilité de nous tous. Si je vois de temps en temps comment les adultes communiquent en social media, nous, comme adultes, on a une responsabilité, on est un role model. Ne soyons pas surpris que nos petits-enfants copient notre comportement. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la technologie. Il y a encore d'autres limites qui font que le développement au niveau de nos compétences est important. J'ai travaillé pendant des années pour essayer de faire du profit. Et la majorité, on a réussi parce qu'on devrait faire plus avec des coûts en moins. Et encore des coûts en moins. Et encore faire plus. Mais c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Donc j'ai besoin des gens qui ont une compétence à réfléchir comment est-ce qu'on peut gérer nos plans financiers d'une façon différente. Comment est-ce qu'on peut gagner et faire du profit demain, parce que le profit, j'en ai besoin pour payer les pensions, pour payer la sécurité sociale. Donc c'est de nouveau, c'est travailler au niveau de prospérité et bien-être en même temps. J'ai besoin des gens qui, oui, qui travaillent dans le secteur technologie pour automatiser les process et pour le faire d'une façon plus efficace. Mais j'ai aussi besoin des gens qui osent dire les choses, comment la vie en 2040 va être. Et c'est les enfants qui ont une vue différente. Nos petits-enfants, et vous pouvez tous voir vos smartphones, le symbole du téléphone, ça n'existe plus. Le symbole pour sauver un document est une disquette. Il y en a certains dans la salle qui ont vu, je crois la majorité, mais mes enfants ne l'ont jamais vu. Donc il faudrait qu'on écoute un peu la génération qui est née dans le cycle numérique pour travailler au niveau de numérique. Leur comportement au niveau de leadership, leur comportement au niveau de relationnel, ils sont beaucoup plus assertifs. Moi, j'étais dans la salle et je réfléchissais et je disais, mon boss, il n'a pas bien compris, mais je disais rien. Ceux-là, ils s'expriment. Il en parle, mais ce n'est pas grave. L'expression est pour moi une compétence numérique. De pouvoir le dire avec un facteur respect, avec un facteur inclusif, est une compétence qu'on a besoin dans le futur. Et ça veut dire que ce n'est pas bon pour tout le monde, mais en plus de tout ça, on doit encore le faire d'une façon sustainable, durable. Donc on a des défis au niveau des compétences, au niveau des technologies, au niveau de modèles financiers, au niveau de leadership, au niveau de travailler ensemble. C'est quand même pas simple. Donc je vous demande de prendre cette opportunité, de oser avec moi, de définir des modèles disruptifs qui ne sont pas seulement tirés sur l'élastique de l'éducation d'hier, mais de définir des nouvelles façons comment on va éduquer nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci beaucoup, Saskia. Voilà. Alors, je propose de passer à la deuxième keynote et puis de faire un petit tour si vous avez des questions. Et maintenant, donc, nous avons le plaisir d'accueillir François Taddeï en ligne. Bonjour, François. Bonjour. Voilà, je vais te présenter. Donc, François est directeur de recherche à l'INSERM, donc un spécialiste de biologie, mais dès le départ, ce qui l'a intéressé, c'est de voir comment les cellules apprenaient. Finalement, il a concentré et évolué sa carrière vers ces questions d'enseignement et d'apprentissage. Il est cofondateur avec Ariel Lindner du Centre de recherche interdisciplinaire, qui est vraiment un centre focalisé sur ces questions-là, sur les questions d'apprentissage, de pédagogie, notamment, hein, parce qu'il y a aussi la biologie, et aussi, maintenant, une troisième section, intelligence artificielle numérique, je pense. Et maintenant, vous l'avez rebaptisé, Learning Planet Institute, ça ressemble bien
à ce carrefour qu'est le CRI à Paris, où on trouve des profils tout à fait différents qui collaborent. Alors, depuis 2013, le CRI développe des programmes éducatifs basés sur la recherche et expérimente aussi différents types de programmes. En 2014, tu as obtenu la chaire UNESCO pour les sciences de l'apprendre. Tu as été rapporteur à l'OCDE, tu as aussi remis les rapports pour Najat Vallaud-Belkacem, pour Jean-Michel Blanquer, notamment en développant l'idée de société apprenante. En 2018, je pense, tu as publié un bouquin « Apprendre au XXIe siècle », donc qui balaye les nouvelles manières d'apprendre, ce qu'il faut apprendre, l'intelligence collective et aussi la coévolution des intelligences avec l'avènement des technologies d'intelligence artificielle. Tu travailles à l'heure actuelle sur un nouveau bouquin qui s'appelle « Et si vous ?» et on va te laisser en dire plus, mais dans le contexte des crises sans précédent qu'on rencontre, dans le contexte où l'héritage athénien est remis en question, donc la démocratie, même le siècle des Lumières, donc est remis en question aussi. Et finalement, quel cri on peut lancer aussi vis-à-vis de la jeunesse, hein, qui se demande un peu comment s'orienter dans le monde qui vient et comment inventer des futurs qui soient souhaitables. François, on va interagir avec toi, bien sûr, mais on a le plaisir de t'écouter maintenant pendant les 20 minutes qui viennent. La parole est à toi. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Et en fait, je voulais réagir sur la COP26. Vous avez tous vu les résultats de la COP. Malheureusement, c'est par certains côtés le 26e échec d'affilée de ce genre de conférence. Et on voit bien que la jeunesse est de plus en plus désabusée et de plus en plus mobilisée face à ces difficultés. Donc, le défi qui est devant nous, c'est de les former aux compétences du 21e siècle. Ça inclut à la fois des compétences qui existent depuis toujours et en même temps des compétences qui sont celles de la réinvention d'une capacité à vivre ensemble sur une planète que nous avons, génération précédente, pas particulièrement respectée, en tout cas insuffisamment respectée. Donc on a besoin collectivement d'apprendre à relever des défis sans précédent. Et on a besoin d'apprendre à relever ces défis individuellement et collectivement, et même globalement. Donc on a tous des défis personnels, on a des défis locaux, on a des défis globaux. Et comment est-ce qu'on apprend à relever ces défis ? Je pense que c'est peut-être ça le méta-défi, en tout cas celui sur lequel on peut essayer de passer quelques minutes en ce moment. Et ce défi, je connais mal le système éducatif belge, mais le système français est un système très compétitif, dans lequel on met les jeunes en compétition sur les savoirs d'hier et sur des thématiques qu'ils n'ont pas choisies. Et je pense qu'on a besoin pour demain d'un système où les jeunes et les moins jeunes sont invités à coopérer sur des thématiques qui les touchent, sur des défis personnels, locaux et globaux. Et cette capacité à coopérer ensemble sur ces défis peut les inviter à co-construire de nouvelles connaissances, à co-construire de nouvelles méthodes d'apprentissage, de nouvelles manières de, ensemble, attaquer des défis complexes. Parce que il y a effectivement, tu le disais très bien, Nathanaël, tout un tas de défis personnels aujourd'hui, mais les jeunes sont très désemparés en fait, parce qu'ils se rendent compte que la planète dont ils vont hériter et dont ils n'est pas en bonne santé. Et ils voient bien que notre système à la fois économique mais aussi universitaire ne va pas bien, et ils voient toujours plus de formes de néo-obscurantisme. Il y a évidemment Boko Haram et les talibans dans les néo-obscurantistes, mais je me permettrais d'ajouter des gens comme Donald Trump ou Bolsonaro qui sont contre la science, l'éducation, le débat, la démocratie et sont prêts à faire le coup de force pour bloquer ça. Donc on a déjà eu à d'autres moments dans l'histoire des formes d'obscurantisme, mais disons que ces néo-obscurantistes savent utiliser le digital. Les djihadistes savent utiliser le digital, Donald Trump sait manipuler Twitter et les réseaux sociaux. Et donc on a besoin de réinventer les Lumières. Mais cet héritage d'Athènes et des Lumières, tu le citais, a à la fois une importance cardinale pour beaucoup d'entre nous, mais il faut savoir avoir
un regard critique sur cet héritage. Parce que, mesdames, vous n'étiez pas spécialement entendues, ni à Athènes, ni pendant les Lumières. La déclaration des droits de l'homme n'est pas une déclaration des droits de la femme. Olympe de Gouges a essayé d'écrire une déclaration des droits de la femme. Elle en a perdu la tête, au sens propre du terme. Et donc, il faut savoir que les Lumières n'ont pas été inclusives. Elles n'ont pas été spécialement respectueuses des autres pays, elles n'ont pas spécialement été respectueuses de l'environnement. Et donc, si on doit redéfinir les Lumières aujourd'hui, on se doit de les rendre plus inclusives, on se doit de les rendre plus écologiques, on se doit évidemment de les rendre plus digitales, hein, puisque les Lumières étaient basées sur l'imprimerie, comme Athènes était basée sur l'écriture. Et donc, comment est-ce qu'on peut réinventer ces Lumières? Je pense qu'il faudrait les réinventer idéalement de manière fractale. En Belgique, vous savez bien qu'il y a différents niveaux de gouvernance, mais aujourd'hui, aucun d'entre nous n'a un niveau de gouvernance global. Et donc, on peut se sentir citoyen du monde, mais aucun d'entre nous ne peut voter pour les enjeux globaux. Et donc, s'il n'y a pas d'enceinte démocratique globale, eh bien, il est probable que les réponses globales ne seront pas démocratiques, qu'elles ne correspondront pas aux besoins du plus grand nombre, mais peut-être aux besoins de quelques multinationales. Et on voit bien que ce genre de dispositif ne peut pas fonctionner, en tout cas pas de manière souhaitable. Au niveau de l'Agora, à Athènes, il y avait une unité de lieu. C'est le lieu où on échangeait de l'argent et des matières, mais c'est aussi le lieu où on échangeait des idées et où on prenait des décisions collectives. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu de décision collective, alors qu'on a des lieux de flux financiers et de flux très importants au niveau économique, mais on n'a pas su inventer, à l'heure qu'il est, la solution. Et les derniers à ne pas être des citoyens, les dernières à être devenues citoyennes, c'était des femmes, évidemment, je crois même en Belgique, mais certainement en France et dans beaucoup de pays. Mais les derniers non-citoyens aujourd'hui, ce sont les enfants. Et donc la question que moi j'ai tendance à poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut donner de nouveaux droits, y compris à la jeunesse? Et je ne suis pas le seul à le demander, hein. L'OMS, l'UNICEF, le Lancet ont écrit un rapport qui dit que pour penser la santé de demain, il faut donner des nouveaux droits à la jeunesse et que ces nouveaux droits doivent nous inviter à repenser le développement durable vu par les nouvelles générations. Et donc, pour permettre à ces nouvelles générations de demander de nouveaux droits, ben déjà, il faut, par exemple, dans le droit des enfants, la déclaration des droits des enfants les invite à se prononcer sur tous les sujets qui les concernent, mais ne les invite pas encore à demander de nouveaux droits. Donc, comment est-ce qu'on peut donner le droit de demander de nouveaux droits? Comment est-ce qu'on peut, au passage, les former et former ceux qui les forment, y compris leurs parents, y compris leurs enseignants, y compris tous ceux qui font la société d'aujourd'hui, à se réinventer. Et donc, on n'a malheureusement pas, on ne peut même pas se permettre d'attendre une génération entière. Il faut qu'on change beaucoup plus vite. Et donc, il faut former les jeunes et les moins jeunes simultanément. Et il faut tous se former à beaucoup plus d'humilité, parce que les humains en manquent trop souvent. Et donc, on n'est pas capable de penser la complexité, parce qu'on pense avoir raison, et on n'est pas capable d'écouter les autres, qu'ils viennent d'une autre discipline ou d'une autre culture, et on a besoin d'apprendre à prendre des décisions collectives, et ça s'apprend à tous les âges et dans tous les environnements, que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit l'université, que ce soit l'école, que ce soit la société, et je pense que cette capacité à réinventer donc cet héritage d'Athènes et des Lumières doit se faire à toutes les échelles et idéalement simultanément. Donc je pense que par certains côtés, il faut penser fractal, il faut penser toutes les échelles, et il faut essayer d'agir viral au sens de documenter ce que l'on fait et de le rendre accessible à d'autres pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres beaucoup plus efficacement. Donc voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais n'hésitez pas à me poser quelques questions et à me relancer si vous le souhaitez. Bon, j'ai eu l'occasion d'interagir avec toi à Paris. Tu avais un regard quand même sur l'évolution aussi de l'enseignement universitaire et tu observais certaines tendances. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, très volontiers. Donc les universités n'ont pas toutes contribué beaucoup aux Lumières. Typiquement, les universités françaises ont été fermées à la Révolution parce qu'elles avaient eu un rôle contre-productif pendant les Lumières. Donc ça, il faut quand même le savoir. Mais certaines universités sont plus en avance que d'autres dans les transformations actuelles. Donc il y a par exemple un mouvement d'université européenne qui va plutôt dans le sens de ces questions de durabilité, de capacité à mobiliser de l'intelligence collective, à mobiliser différentes disciplines, être à l'écoute de ses étudiants. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Mais l'université qui, pour
pour moi est leader sur le sujet aujourd'hui, c'est Arizona State University. Et Arizona State University se définit son excellence par qui ils incluent, pas par qui ils excluent, et se met au service de son territoire et des enjeux globaux, et est capable de faire réussir beaucoup plus d'étudiants en les invitant à être des acteurs de la transformation. Donc nous, on le fait à notre petit niveau à Paris, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont compris ça. Et fondamentalement, si on veut changer à la bonne échelle, je pense qu'on a besoin de créer ce que nous, on appelle des paris des étudiants. Et paris est un acronyme, vous me permettrez de l'expliciter. C'est un des programmes d'activité de recherche et d'innovation sociétale portés par les étudiants au service de leur territoire, au service de leur communauté. Et le monde académique est là pour accompagner ces étudiants dans leur réussite. Et je pense que une des choses qui contribue à faire évoluer la société, c'est d'avoir des enjeux globaux et des lieux de visibilité globale. Et les universités ont trop souvent coévolué avec les États-nations et pas suffisamment avec les enjeux planétaires par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc je pense que l'une des choses qui est le plus connue au niveau planétaire aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques. C'est le seul lieu de célébration globale qui soit aussi populaire, en tout cas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des Olympiades de la durabilité, des Olympiades de l'engagement, des lieux comme on a des Olympiades de mathématiques et de physique, mais plutôt que d'être en mathématiques et physique invité à résoudre des problèmes classiques, pourquoi ne pas être invité à résoudre les problèmes d'aujourd'hui? Pourquoi ne pas permettre aux étudiants à se mobiliser sur ces différentes dimensions? Oui, merci pour ces propositions. Donc, on est dans le cadre du cycle Homo Numericus. Donc, pour toi, l'importance de l'apprentissage de ces compétences numériques ou digitales, quelle place trouve-t-elle? C'est en fait un vecteur de transformation du monde ou bien il y a quand même des choses minimales à apprendre pour chacun, au-delà des soft skills, parce qu'on insiste bien sur les soft skills, je pense que c'est un message clé. Et pour toi, quelles sont les compétences numériques que chacun doit acquérir? C'est une très bonne question. Je pense que en fait, il faut comprendre un certain nombre de boîtes noires. Il y a les algorithmes, les intelligences artificielles, les outils digitaux sont trop souvent des boîtes noires et il faut savoir les ouvrir pour comprendre comment elles fonctionnent et déjà éviter de se faire manipuler et savoir ce que nos données deviennent et à qui elles profitent quand on les partage sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais je pense que ça va plus loin que ça parce qu'on a d'autres boîtes noires. Notre cerveau, par exemple, est une boîte noire. En moyenne, on ne sait pas comment notre cerveau fonctionne. Et ne pas savoir comment son cerveau fonctionne, c'est potentiellement pouvoir se faire manipuler par des gens qui savent comment notre cerveau fonctionne. Et typiquement, les réseaux sociaux ont embauché beaucoup de neurobiologistes et ont créé de nouveaux systèmes d'addiction. Et donc même l'OMS, dans le rapport que je citais tout à l'heure, dénonce le fait que en fait, nos cerveaux se font hacker par les réseaux sociaux et qu'il y a de nouvelles addictions aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Et cette économie de l'attention nous manipule. Donc on a besoin à la fois de comprendre les algorithmes et comment est-ce qu'ils nous manipulent. On a besoin de comprendre comment nous fonctionnons, comment fonctionnent ces machines, pour mieux comprendre comment on peut coévoluer de manière beaucoup plus productive qu'aujourd'hui l'intelligence des humains et l'intelligence de la machine. Ou des machines, et cette capacité à penser des coévolutions constructives. Typiquement, moi j'aime bien un poème de T.S. Eliot qui disait « Où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Je pense qu'aujourd'hui, il ajouterait « Où est passée l'information qu'on perd dans les données ?» Et donc en fait, ce que j'essaie de dire en citant ce poème, c'est qu'on a besoin d'un esprit critique et on a besoin de réinventer une manière de réverser ce poème, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on peut faire à partir des données pour créer de l'information, ce qu'on peut faire à partir de l'information pour créer de la connaissance, ce qu'on peut faire à partir de la connaissance pour créer de la sagesse et faire des choses qui ont du sens dans nos vies. Et malheureusement, trop peu souvent, que ce soit dans les outils numériques ou même à l'université, on est trop peu souvent invité à réfléchir au sens que l'on donne, à qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble qui puisse nous permettre de progresser individuellement et collectivement. François, j'aurais envie de poursuivre cette réflexion et de t'emmener sur un questionnement qui, pour moi, est assez important. Donc, tu n'es pas sans savoir que cette idée, ce concept de digital native est un concept qui a été mis en défaut plus d'une fois. Hein. Donc, la génération digital native, elle n'existe pas. En fait, on sait que les étudiants qui nous arrivent à 18 ans ne maîtrisent pas les compétences numériques de haut niveau qu'on pourrait attendre dans une formation universitaire. Donc l'usage juvénile du numérique ne correspond pas du tout
à des compétences de haut niveau telles que tu viens de les décrire ici. Et donc, c'est un véritable défi pour nous d'accueillir ces étudiants avec en tête l'idée qu'en effet, il faut qu'ils aient à la fois ce regard critique et cette capacité d'utiliser les compétences numériques à un niveau relativement exigeant. Et on n'y arrive pas. Enfin, ça n'a jamais fait partie des programmes universitaires. Il y a un enjeu vraiment extrêmement important. On sait maintenant que la fracture numérique, elle ne se fait plus sur la possession du matériel. Ça, c'est plus tellement une question. Maintenant, la fracture numérique s'est déplacée sur les usages. Et on voit bien que ces usages divisent clairement notre communauté étudiante entre ceux qui sont capables de développer des compétences numériques d'un niveau relativement élevé et ceux qui n'en sont pas capables. Quel regard tu portes là-dessus ? Je pense que trop souvent, la culture numérique est une culture de consommation. Il faut passer d'une culture de consommation à une capacité à être acteur et auteur de la société numérique. Je vais donner juste des petits exemples, même presque simplistes. Mais du haut de ses 7 ans, ma fille adorait les dauphins et les baleines, et donc elle a lu tous les petits livres qu'elle a trouvés à la bibliothèque locale. Et elle a voulu en savoir plus, elle est allée sur le web, et elle a découvert Wikidia. Je ne sais pas si vous utilisez Wikidia en Belgique, mais Wikidia, c'est la Wikipédia des enfants. Et en fait, elle a appris, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une erreur dans cette page de dictionnaire du haut de ses 7 ans, et elle a choisi de... Je lui ai montré qu'elle pouvait l'éditer. Et donc, elle a pu corriger une erreur dans un dictionnaire en ligne à 7 ans. Et à 8 ans, elle aimait les cachalots et elle a créé la page cachalot. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut commencer super jeune, mais ça suppose qu'on ait des gens bienveillants qui nous éduquent, en l'occurrence pour elle, son père. Mais ça pourrait être le cas d'enseignants, ça devrait même être pour moi le cas d'enseignants. Et donc, cette capacité à ne pas être des consommateurs de la société du numérique, mais à devenir des acteurs, des auteurs, ça pourrait être de logiciels open source, ça peut être de contenu partagé, ça peut être de tout un tas de dispositifs de biens communs que l'on se doit de co-construire. Et éduquer nos enfants et nos étudiants et nos concitoyens à cette capacité et à ce besoin de biens communs. Et c'est ça, ce qu'ont inventé les Lumières, c'était des biens communs démocratiques, scientifiques, philosophiques, artistiques. Et c'est ce besoin de réinventer les biens communs et de contribuer à ces biens communs à tous les niveaux, qui sont des biens communs, encore une fois, pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous sommes et à individuellement et collectivement prendre des décisions qui sont à viser grâce à ces biens communs et dans lesquels on peut être à la fois, encore une fois, acteur du monde qui vient, mais aussi auteur du monde qui vient, au sens où on peut l'écrire et où on peut, pour reprendre Nathanaël qui tout à l'heure m'invitait à parler du livre, qui va sortir, ce livre s'appelle « Et si nous ?» et c'est une invitation à faire ensemble des choses que nous ne saurions faire seuls. Et donc on a besoin de créer de nouveaux imaginaires, on a besoin de créer de nouveaux biens communs qui soient des capacités à faire ensemble des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, comment est-ce qu'on prend compte la crise climatique ? Comment est-ce qu'on prend en compte l'érosion de la biodiversité ? Comment est-ce qu'on prend en compte l'arrivée de l'intelligence artificielle ? On a besoin de créer des espaces de débat, des agora ou des salons du 18e au 21e. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que les réseaux sociaux, on aurait pu espérer que ce soit des lieux d'intelligence collective. Honnêtement, c'est des lieux qui trop souvent amplifient la bêtise collective. Donc on a besoin de réinventer ces sujets, et je pense qu'effectivement, faire prendre un peu de recul à nos étudiants et à nos enfants et à toute la société est plus nécessaire que jamais. Merci François. Avant de passer la parole au public, j'ai encore une double question. Donc, tu sais qu'il y a un débat chez nous, on n'a pas encore intégré, disons, la programmation dans le cursus scolaire obligatoire, alors que c'est une vraie possibilité en France et qu'il y a des cours aussi qui sont maintenant obligatoire. Est-ce que tu penses que l'acquisition des compétences nécessaires à la programmation peut aussi contribuer justement à l'acquisition d'un certain nombre de soft skills que tu évoques ? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, je me rappelle d'une de nos discussions parce que je vois qu'on a monsieur le doyen de la faculté de médecine dans l'assistance aussi. Si tu avais peut-être un petit mot sur les évolutions que tu vois dans ce secteur-là, parce que dans mon souvenir, tu avais quelques commentaires à faire. Oui, donc c'est sûr que la capacité à apprendre à coder, en fait, c'est une nouvelle forme d'écriture. Donc, de même qu'on apprend à lire et écrire,
apprendre à lire et écrire du code, c'est une nouvelle langue. En tout cas, c'est la langue qui nous permet d'interagir avec des machines. Donc, de même qu'on apprend des différentes langues pour interagir avec les gens qui parlent différentes langues, on a besoin d'apprendre ça. Et vous avez le choix, grosso modo, entre être programmé par la machine ou apprendre à programmer par la machine. Donc, ça, c'est assez clair. Mais ce qui est intéressant dans la programmation, suivant comment on l'apprend, on peut apprendre à collaborer en programmant. En tout cas, c'est comme ça que les plus grands programmeurs fonctionnent. Et donc, ils savent mobiliser de l'intelligence collective et utiliser tout un tas de dispositifs dont on pourrait s'inspirer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dispositifs d'intelligence collective qui ont été co-créés par les informaticiens. Si on avait des variantes de GitHub, par exemple, ou de Stack Overflow pour les éducateurs, pour les citoyens, pour la durabilité, je pense que ça serait extrêmement fructueux et intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur le domaine de la santé, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais les hôpitaux français sont sortis exsangues de la pandémie, qui malheureusement n'est même pas finie, et il y a toujours plus de démissions. En fait, nos hôpitaux en France ne sont pas pensés comme des lieux de soins, en tout cas pour les soignants. Paradoxalement, on ne prend absolument pas soin des soignants et donc on a beaucoup de burn-out, des suicides, des démissions toujours plus nombreuses, et à tel point qu'en France, on n'arrive même plus à ouvrir des lits parce qu'on manque de personnel. Et donc, cette incapacité à prendre soin, et c'est un système, le monde médical en France, qui est très, très compétitif et où on demande des mesures toujours plus difficiles, et alors qu'en fait, il a été montré que former, par exemple, des personnels de santé à tous les niveaux, à prendre soin d'eux, mais aussi de soi-même, des autres personnels, est une manière de mieux prendre soin des patients. Et c'est aussi une mesure économiquement très efficace. Donc, en fait, il est possible de faire progresser à la fois le système de santé en arrêtant de le pressurer et en donnant un peu de recul et en travaillant sur cette éthique du care que je suis sûr que vous connaissez probablement mieux en Belgique que nous en France, mais qui me paraît essentielle pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. C'est vrai du monde de la santé, c'est vrai en fait de l'ensemble de notre société, et c'est des choses qu'on devrait apprendre à tous les âges de la vie, parce que sinon, de facto, une partie de notre héritage nous amène à nous exploiter nous-mêmes, à exploiter les autres, à exploiter l'environnement. Et donc, il faut passer de cette logique d'exploitation à une logique où on explore notre vie intérieure, on explore notre relation aux autres, on explore notre relation à notre environnement, et on se reconnecte à soi, aux autres et à la planète pour arriver à transformer notre capacité à passer d'un monde qui malheureusement n'est pas durable à quelque chose qui a une planète qui pourrait être durable et favorable à la fois aux générations présentes et aux générations à venir, qui sont malheureusement trop souvent absentes du débat et qui ne votent pas. Moi, parmi les propositions un peu radicales que j'ai tendance à faire ces jours-ci, puisque c'est la journée des droits de l'enfant samedi, la proposition que j'aimerais faire, c'est de donner le droit de vote aux nouvelles générations. Je ne comprends pas pourquoi elles n'ont pas le droit de vote et pourquoi elles ne peuvent pas voter à la fois sur ce qui se passe localement, mais aussi ce qui se passe nationalement et ce qui se passe globalement. Il ne suffit pas de leur donner le droit de vote pour savoir ce qui se fait dans leur classe. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que si la génération Greta pouvait s'exprimer autrement que dans la rue, je pense qu'en moyenne, on avancerait beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Et les raisons pour lesquelles on n'a pas donné le droit de vote aux générations précédentes qui sont évoquées sont typiquement les mêmes raisons pour lesquelles on n'a pas donné le droit de vote aux femmes pendant trop longtemps ou aux pauvres. Et je pense qu'on a besoin de cette réinvention de l'ensemble de l'héritage des Lumières, et ça passera, je pense, par une co-construction de cette réinvention avec tous ceux qui étaient exclus à l'époque des Lumières, et en particulier les femmes et les plus pauvres, mais aussi avec les plus jeunes. Merci. Voilà, je m'excuse d'avoir peut-être été un peu long, et je suis sûr que vous avez énormément d'autres sujets à aborder avec vos autres invités. En tout cas, merci de m'avoir invité, et au plaisir de prolonger ces échanges à différents endroits, y compris en ligne. Merci. Merci beaucoup, François. Merci aussi pour ces propositions un peu disruptives. Donc, on avance dans le timing, mais peut-être je vais prendre une question dans le public, soit pour Saskia Van Uffelen, soit
pour François Tadi. Oui. On est dans une UNIF. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'enseignement est fait par les enfants, par les jeunes, par les apprenants, au lieu par des professeurs ? C'est une très bonne proposition. Et d'ailleurs, si vous écoutiez le TED de la plus jeune speaker à TED, Adora Svitak, elle proposait ce genre de choses. Elle disait un certain nombre de choses que les adultes devraient apprendre des jeunes. Et en fait, les enfants apprennent très bien les uns des autres. Ça se passe depuis toujours dans les cours de récré, mais ça se passe dans plein d'autres endroits aujourd'hui sur le web. Et par exemple, à Berkeley, les jeunes peuvent créer leurs propres cours et sous réserve que l'université les valide, ils sont à la fois validants pour les étudiants qui les reçoivent, mais aussi et certainement pour ceux qui les offrent. Donc il y a plein de choses que l'on peut mettre en œuvre. L'apprentissage entre pairs fonctionne à tous les niveaux. Si vous voulez, par exemple, inventer les métiers de demain, ce qui est une grande partie de vos discussions d'aujourd'hui, ça ne va pas venir d'une décision venue d'un ministère ou même d'une multinationale. L'apprentissage des métiers de demain se fera entre pairs qui seront en train d'explorer de nouvelles manières de faire. Et donc ça s'apprend et on peut accompagner les jeunes et les moins jeunes dans cette capacité à apprendre de ses pairs. Par exemple, on peut célébrer ce que l'on apprend. On peut célébrer de qui on l'apprend et se rendre compte de la diversité des sources d'apprentissage et des lieux d'apprentissage et des modalités d'apprentissage. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'UNESCO dans le cadre de la Journée nationale de l'éducation, qui est le 24 janvier. Donc, vous êtes tous invités en Belgique et ailleurs aux quatre coins de la planète, au festival qu'on appelle le Learning Planet Festival, qui est un festival où on peut tous célébrer ce que l'on apprend. Et ce jour-là, on invite tous ceux qui le souhaitent à apprendre les uns des autres et les enseignants à, par exemple, donner la parole aux plus jeunes et à co-construire avec eux peut-être de nouvelles manières d'apprendre, de nouveaux types de pédagogie, de nouvelles manières de coopérer, justement à résoudre ces grands défis pour lesquels, bien souvent, leur naïveté nous invite à remettre en cause nos certitudes qui, en fait, nous amènent droit dans le mur. Donc, je pense qu'on a besoin, en fait, d'une co-construction intergénérationnelle en s'inspirant de ce que les Grecs ou les Lumières nous ont appris, en s'inspirant de ce que la technologie nous apprend, mais en nous inspirant aussi de la curiosité, de la créativité des jeunes. Hein. Ce que vous savez peut-être, c'est que Alison Gopnik a montré qu'on est tous nés chercheurs et qu'on est tous nés capables de résoudre des problèmes, que les plus jeunes auteurs d'applications scientifiques ont 8 ans. Et donc, on peut faire confiance à cette jeunesse hein, qui a des pics de créativité à 5 ans et à 15 ans. Ce que Alison Gopnik a montré, c'est que ces étudiants de Berkeley ne savent pas résoudre des problèmes que des enfants de 5 ans savent résoudre. Donc en fait, on est capable, de manière intergénérationnelle, à mon avis, de mobiliser différentes formes d'intelligence, parce qu'on n'a pas exactement la même forme d'intelligence à différents âges, mais qu'on a besoin de cette diversité à la fois de neurodiversité et de diversité culturelle et générationnelle pour essayer de résoudre des problèmes très complexes pour lesquels aucun d'entre nous n'a la réponse aujourd'hui. Et il faut en avoir l'humilité de le dire, contrairement à ce que les gouvernements prétendent trop souvent. Merci, voilà. François. Merci pour cette bonne question. Merci pour cette question. Alors maintenant, on va passer au panel. François, si tu as des commentaires, tu me les envoies par SMS. Et donc, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir pour ce panel, honneur aux dames, Marie-Pierre Dequier. Donc, Marie-Pierre, tu as cofondé en 2018 France Apprenante, qui est un écosystème dédié aux compétences du 21e siècle. Ça tombe bien. Qui fédère plus de 700 entreprises en France et qui permet d'engager les personnes et les communautés dans la démocratisation des nouveaux modes d'apprentissage et aussi le passage à l'échelle. Et je pense que cette question du passage à l'échelle est absolument essentielle aussi en Belgique. Je t'en prie, rejoins le panel. Alors, tu as aussi la cofondatrice et la présidente de The Game, hein, donc, qui est une société qui permet, à travers le jeu, d'acquérir des soft skills. Tu es aussi professeur à Centrale Supélec dans le département leadership et métier de l'ingénieur. Et je vais arrêter la présentation ici. Alors ensuite, on a le plaisir d'accueillir Ben Smith. Ben Smith est notre directeur des ressources humaines pour l'ensemble des services publics fédéraux. Ben Smith travaille dans les services publics depuis 1986. Il a été également le directeur général de la transformation digitale sur les dernières années. Donc, c'est difficile d'avoir un panéliste plus qualifié pour participer au débat de ce soir. Ben, je t'en prie, rejoins le panel.
Voilà, je pense qu'une des questions aussi qu'on pourrait aborder, c'est la question du rôle de l'État et le rôle des fonctionnaires aussi, comment éventuellement ils peuvent évoluer par rapport à tout ça. Alors ensuite, on a, sans ordre de préférence, mais Jérémy Lamry, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Jérémy, tu es multi-entrepreneur, hein, tu as monté Monkey Tie, tu es aussi actif, et je pense que tu es en train de monter une société à l'heure actuelle. Tu es le fondateur du LabRH, qui est une initiative, cofondateur du LabRH, qui est une initiative incroyable en France, qui réunit énormément d'acteurs impliqués dans la transformation RH, notamment des grandes entreprises, mais aussi des services publics. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Tu as étudié à Oxford, à HEC Paris, tu as un doctorat en psychologie sociale, notamment sur les compétences du 21e siècle. J'avais encore une chose importante, me semble, à dire en tête, c'est que tu écris un bouquin, tu as déjà écrit un bouquin, hein, Les compétences du 21e siècle, voilà, et tu es en train d'écrire un autre bouquin dont tu vas peut-être nous parler sur le panel. Je t'en prie, rejoins-nous. Enfin, Jeroen Franssens, qui a déjà été un peu introduit par Saskia, qui est monsieur Be the Change pour la Belgique, qui a conduit cette étude importante menée par Agoria, Roland Berger, mais aussi de nombreux acteurs, pour nous projeter dans le futur et voir en fait quelles sont les compétences dont on a besoin, quels sont les parcours qu'il faut mettre en place, quelles sont les compétences qu'on a besoin aussi pour les métiers de demain. Jeroen, tu vas nous parler de tout ça et on a le plaisir d'accueillir Nadine une nouvelle fois pour la modération de ce panel. Nadine, je te cède la parole. Merci Nathanaël. Je vais essayer de retrouver mes notes que Nathanaël a cachées. Voilà, ça y est, je les ai retrouvées. Rebonsoir à tous les quatre. Et donc ravie de poursuivre cette soirée avec vous. Alors peut-être comme première question, histoire de que le public puisse aussi entendre un petit peu d'où vous parlez, donc par rapport à cette thématique de la conférence de ce soir, hein, les compétences du 21e siècle et la révolution numérique, je dirais que c'est les deux termes clés du titre de ce soir, vous avez répondu oui. Alors, pourquoi avez-vous répondu oui ? En quoi vous êtes-vous senti appelé par ce titre de conférence ? Oui. Voilà. Moi, j'ai répondu oui parce qu'il n'y avait rien à la télé. Et non, j'ai répondu oui parce que, en tant qu'expert du marché du travail pour Agoria, on a cartographié l'impact de la digitalisation sur le marché du travail belge. Et là, les défis sont très clairs. On a constaté que 310 000 personnes entre aujourd'hui et 2030 vont perdre leur boulot. Il faut faire quelque chose avec. On va devoir créer, hein, pour soutenir les ambitions de notre gouvernement fédéral, on va devoir créer 600 000 nouveaux jobs. Et le mot-clé dans cette démarche, dans ces défis, c'est les compétences. Et j'ai voulu assister à un bon débat sur ce sujet. Merci, Jérémy. Oui, alors je suis intervenu, bonsoir tout le monde, je suis intervenu pour deux raisons. La première, c'est parce que Nathanaël me l'a demandé, et on ne dit pas non à Nathanaël. Première raison, voilà. Et la deuxième raison, c'est parce que cet événement s'inscrit dans ce que je fais. Comme l'a dit Nathanaël, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les compétences du 21e siècle. J'ai fait mon doctorat sur les compétences du 21e siècle. Et tout ça repose sur la mission de vie que je me suis donnée. C'est vraiment contribuer à un monde où chaque personne a la chance de faire la différence. Donc en finir avec une sorte de déterminisme, notamment social, mais pas que. Et je pense que ce sujet des compétences du 21e siècle, c'est celui qui est le plus porteur pour permettre aux gens de s'émanciper et de s'épanouir. Merci Ben. La première partie de la réponse, je partage avec mon voisin, parce que Nathaniel a posé la question. Deux, en tant que service public, on partage la responsabilité de répondre à ces défis
qui se présente aujourd'hui et pour demain. La crise du Covid nous a mis devant un grand changement stratégique. Et à la grande surprise, nos systèmes, l'infrastructure, les programmes, ils ont bien tenu. Mais le défi, on le voit, c'est du côté humain. Et c'est quelque part logique, parce que l'évolution technologique se fait à une vitesse exponentielle, alors que l'homme et l'organisation s'adaptent à une vitesse logarithmique. Et donc l'écart devient de plus en plus grand, on doit s'y prendre autrement. Et donc les compétences deviennent la monnaie dans le monde du travail de demain. Et donc tout d'un coup, les responsables d'apprentissage et du développement se retrouvent autour de la table pour une discussion stratégique, pour trouver des solutions. Et c'est une excellente opportunité ici aujourd'hui de participer à ce débat. Merci Marie-Pierre. Alors moi j'œuvre, ma mission, enfin celle que j'essaye de mener à bien dans ma vie, c'est de diffuser des outils d'émancipation. Et je trouve que dans un monde dans lequel finalement il y a de plus en plus d'incertitudes, où les choses vont de plus en plus vite, finalement, ce qui est fondamental pour que chacun effectivement puisse prendre soin de lui, des autres, de son environnement, parce que c'est dans cet ordre-là que c'est possible, eh bien, c'est de développer ses compétences. Et il y en a une qui est pour moi une méta-compétence, c'est le fait d'apprendre à apprendre. À partir du moment où on arrive à apprendre à apprendre, on est en mesure en fait d'avoir confiance en soi, de se rendre compte qu'on peut être efficace. Et on va le voir, ça passe aussi évidemment par les soft skills, mais c'est quelque chose d'assez difficile puisque on parle de choses très identitaires finalement. On parle de nos peurs à aller vers qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau, comment est-ce qu'on aborde l'incertitude. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour moi, c'est effectivement de donner du pouvoir aux uns et aux autres en les aidant à passer de quelque chose qui s'appelle un fixed mindset où on a peur, on est coincé, on ne sait pas quel est le chemin, on a l'impression que c'est toujours linéaire, qu'il faut faire comme avant, et un mindset où on va être capable d'être suffisamment ouvert et surtout en confiance avec soi-même pour pouvoir aborder l'incertitude et puis se mettre à apprendre, parce qu'on a tout à apprendre les uns des autres et effectivement de cette nouvelle société qui advient. Merci. J'aurais envie maintenant peut-être de venir vous chercher sur les compétences du 21e siècle, parce que peut-être que le public est comme moi et se dit, mais finalement, c'est quoi ces compétences du 21e siècle ? Et donc, j'ai été un petit peu fouillée pour essayer de trouver comment nous éclairer sur cet aspect-là. Et bien sûr, je suis tombée sur les travaux de Jérémy. Et je dirais, pour faire un résumé un peu bref, on parle, quand on parle des compétences du 21e siècle, des 4 C. Les 4 C étant créativité, collaboration, communication et esprit critique. Ce qui, évidemment, a suscité un certain nombre de questionnements, parce que vous pouvez vous dire raisonnablement dans la salle, « Bon Dieu, mais est-ce vraiment nouveau ? Pourquoi est-ce que ces compétences-là seraient celles du 21e siècle ?» Et en effet, un journaliste dans Le Devoir en 2019 soulignait ceci. On s'étonne d'abord, pour nombre d'entre elles, d'apprendre qu'il s'agirait là de compétences nouvelles du XXIe siècle. Imaginer, expliquer à Platon que la communication est importante en éducation, à Bertrand Russell que la pensée critique est un objectif à poursuivre, à John Dewey que la citoyenneté y est centrale. Donc, en fait, tout a été pensé. Le problème, c'est toujours de le repenser. Et donc, qu'est-ce qui fait, Jérémy, que tu t'es passionné pour ce sujet-là et que tu l'as trouvé si aigu et si d'actualité ? Alors, je vais vous lire les 300 pages de ma thèse. Non. Non. Pour essayer de rester bref sur ce sujet-là, c'est que on parle beaucoup de soft skills, d'un côté, de compétences du 21e siècle, de 4C. Il faut bien comprendre la différence entre ces trois choses-là. Donc, dans les compétences du 21e siècle, en fait, on a des soft skills, mais pas que. On parle des 4 C. Les 4 C sont en gros les soft skills dont on a besoin au 21e siècle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nouvelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en a plus besoin qu'hier. Et moi, c'est ça qui m'a passionné sur ce sujet. C'est quand j'ai essayé de comprendre cette hier. Cette hier, c'est plutôt les 200 dernières années, a priori, quand on a commencé à tout standardiser et à demander aux gens...
je caricature, mais à marcher au pas et à plutôt répéter des processus qu'à créer et inventer. Et donc c'est cette société de la révolution industrielle qui a uniformisé tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on demande de désuniformiser pour pouvoir s'adapter. Et s'adapter, c'est vraiment ce qui fait que l'être humain est aujourd'hui à la place qu'il occupe dans la chaîne alimentaire, parce qu'il faut savoir que l'être humain, à l'état naturel, il n'est pas plus dangereux qu'un anchois ou qu'un cochon. Et donc, il faut bien voir que c'est notre capacité à nous adapter, à utiliser notre environnement comme des moyens d'attaque et de défense, qui nous a permis aujourd'hui d'arriver là où on en est. Et notamment, ce sont ces quatre C-là qui nous ont permis tout ça. Donc, ça n'a rien de nouveau, c'est juste dans la société actuelle, on en a besoin plus que jamais. Oui. Je peux citer... J'allais vous relancer. Voilà. J'aimerais citer un vrai penseur, M. François Taddeï. Et si nous arrêterions à réfléchir en termes de profil type ? On cherche toujours les profils types. Nous aussi, nous avons constitué une liste de 27 compétences clés pour le futur dans un monde qui se digitalise. Ça ne veut pas dire du tout qu'une personne devrait développer ses 27 compétences. La maîtrise d'une compétence devrait être toujours vue dans un contexte de quel rôle aimerais-je jouer, à quel défi sociétal aimerais-je contribuer et qui est le team autour de moi. Si moi je maîtrise 4 compétences, qu'est-ce que mes collègues maîtrisent et comment pourrait-on former un team idéal? Et donc arrêtons de réfléchir en termes de profil type, mais partons plutôt d'une base de complémentarité, où l'échec est parfois permis. Mais j'allais vous poser la question à tous les quatre, par rapport à cet objectif extrêmement louable, mais qui n'est pas nouveau, et qui, de ce que je vous entends, paraît extrêmement d'actualité. Et donc, quelque part, vous signez en fait l'échec de la formation universitaire actuelle. Personne ne va vouloir répondre à cette question. Tu m'étonnes. Non, ce n'est pas l'échec de la formation. D'abord, il y a plein de formations différentes. Il y a plein d'endroits où il se passe des choses assez extraordinaires. Non, c'est l'échec de la manière dont on a pensé la formation. C'est-à-dire qu'on est dans une ère industrielle où, effectivement, comme l'a dit Jérémy, on a voulu standardiser, optimiser. Résultat, on a mis des gens dans des cases, voire dans des tâches, dans lesquelles il n'y a plus de sens. Et on voit bien que les gens sont en burn-out, en bore-out, quand ils s'ennuient au boulot. Parfois, ils sont en dissonance cognitive parce qu'ils font des choses qui n'ont pas de sens pour eux, voire qui vont à contresens de ce qu'ils pensent. Donc aujourd'hui, il faut ressortir d'un schéma où on a instrumentalisé les gens, hein, et leur temps, c'est ça ? Qui crée d'ailleurs un désengagement énorme. Aujourd'hui, quand on regarde les études, il y a 10% des gens qui sont engagés dans leur travail. Bon, évidemment, c'est les cadres sup, ceux qui dirigent, et les autres le sont moins. Et donc, on est en train de perdre de l'engagement, de perdre de la productivité, de perdre du sens. En fait, les gens ne sont pas des ressources au même titre que les finances ou que les bureaux. Il y a un moment donné, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette représentation, en fait, hein, que nous a amené l'ère industrielle. Donc, elle nous a apporté beaucoup de choses, ça, c'est formidable. Maintenant, on n'a pas oublié la communication, la collaboration, la pensée critique et la créativité. Mais on a oublié de les cultiver. L'école, enfin, en tout cas, ce qui concerne la France, l'école est extrêmement individuelle, compétitive. On ne fait pas de coopétition comme ce que peut faire Jérémy avec d'autres entreprises. Donc, le sujet, c'est qu'il faut qu'on réapprenne, en fait. C'est-à-dire qu'on a des croyances qui, collectivement, nous limitent, qui sont « il faut qu'on soit bon tout seul ». Et c'est comme ça qu'on sera reconnu. Les gens ont peur de prendre la parole en public. Or, Internet nous a amené la possibilité de tous prendre la parole. C'est quand même extraordinaire. Et bien ça, on ne prend pas forcément bien la parole parce qu'on n'est pas éduqué à prendre la parole. Donc, je ne dis pas que... Je dis en fait qu'il faut renforcer et recréer du lien et recréer du collectif. En fait, notre globalisation mondiale fait qu'on a oublié ce qu'il y a au quotidien autour de nous, les gens qui sont autour de nous, tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, ce sur quoi on peut s'appuyer. Et il y a un autre problème aussi, c'est que nous, adultes, qui devons enseigner ces soft skills,
eh bien, ça va toucher à nos croyances aussi. Et donc, ce n'est pas facile d'aller enseigner la communication, la collaboration, quand on n'a pas appris à l'incarner, quand nous aussi, il faut qu'on s'y mette. Donc ça, c'est un autre facteur explicatif. C'est-à-dire que enseigner les soft skills à l'école suppose d'avoir des enseignants qui sont à l'aise avec ça. Comment est-ce qu'on leur donne le cadre pour faire ça? Ben Smith, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette thématique? Je pense un peu à Diapo, que ça, ce qu'il a montré tantôt, l'enfant de 3-4 ans, il sait travailler avec une tablette, sans avoir eu une formation très poussée. Donc on doit retrouver un certain nombre de balances dans la vie, dans la façon d'interagir. Et ce n'est pas uniquement la responsabilité d'une université ou d'une haute école. On ne sert à rien, finalement. Non, mais pas seul. C'est tous des institutions qui ont un rôle à jouer, mais seul, on n'arrivera pas loin. Donc il faut revoir toute l'organisation, toute la structure, et la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant. Ce n'est pas à l'école, sur des bancs pareils. Donc notre système d'éducation, de formation doit être revu complètement. Et les gens, enfin, ils doivent pouvoir apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre. On doit plus travailler sur le potentiel des gens qu'effectivement mettre tout le monde dans le même maillot. J'aurais bien envie de poursuivre, j'ai bien en tête quelques idées de méthodes pédagogiques qui pourraient davantage servir ce type d'objectif, mais j'aurais aussi envie de souligner que peut-être qu'avec 1200 étudiants en première année, dans un auditoire, pas simple de penser la formation autrement, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Je propose peut-être de passer aussi la parole à la salle et de prendre quelques questions de votre côté. Prendre le temps d'attendre. Oui, monsieur. Ne laissez pas monsieur parler tout seul toute la soirée. Donc, vous préparez déjà la suivante? Je dirais deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui empêcherait que 1200 étudiants puissent apporter quelque chose à l'UNIF? Qu'est-ce qui empêcherait de ces étudiants de faire leur petite vidéo et d'apporter la crédibilité, de la confiance à eux-mêmes et de l'image à l'ULB? C'est simplement une question de croyance aussi. Oui, et d'un prof qui va regarder 1200 vidéos, mais oui. Et ils ne doivent pas nécessairement travailler individuellement, ils peuvent travailler en groupe. Non, ils peuvent travailler sur des projets, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément d'initiatives très intéressantes qui sont prises par les enseignants, mais il faut quand même reconnaître que le cadre actuel de l'organisation de l'enseignement supérieur ne favorise pas vraiment ce type de méthode, malheureusement. D'autres questions? Peut-être pour compléter, c'est de dire que, en fait, la connaissance, maintenant, elle est partout. Le premier outil d'apprentissage, c'est Google. Et il est disponible un peu partout dans le monde. Donc l'UNIF, c'est le passé, en tout cas tel qu'il est fait. Dont acte. Tel qu'il est fait. Oui, je vous entends. Ici, une question au milieu de la salle. Je peux quand même réagir à ce que monsieur... Oui. Okay. Vas-y. Vas-y, fais-le tout de suite. Je suis aussi convaincu que l'université devrait de plus en plus devenir une sorte d'écosystème qui offre une bonne base de connaissances, mais qui est aussi le coordinateur des projets sociétaux sur lesquels les jeunes travaillent en équipe, non sur base de la même filière, mais en équipe multidisciplinaire. Les jeunes cherchent vraiment à avoir un impact avec ce qu'ils ont appris le plus vite possible. Et ce qui m'a touché dans ce que François a dit, mais ce qui m'a aussi touché quand j'étais au Danemark il y a 3 semaines pour voir avec les ministres d'emploi quels sont les success factors de leur marché du travail, c'est surtout l'engagement des jeunes qui voulaient vraiment faire preuve de ce qu'ils avaient appris en équipe multidisciplinaire sur des projets avec un impact sociétal. Ça m'a fort touché et ça, c'est une bonne manière de transmission de connaissances entre pairs aussi. Juste pour compléter, j'enseigne à Centrale Supélec, donc c'est une école d'ingénieurs, et on avait des projets scientifiques d'un côté et puis des cours de leadership de l'autre. Puis on se rendait compte qu'en fait, c'était bien, on leur faisait faire du coaching, ils réfléchissaient à leurs projets professionnels, mais
qui progressaient pas in fine. Le jour où on a réussi, parce que c'était ça la difficulté, c'était d'attirer les enseignants scientifiques dans nos cours. Une fois, le jour où on a réussi à mettre les projets au cœur du cours, en fait, c'était des journées, c'était des cycles de jours, il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits par les étudiants, parce que tout d'un coup, on passait de la connaissance à l'expérience et au retour d'expérience. Résultat, l'école centrale aujourd'hui s'est axée quasiment essentiellement sur de la pédagogie par projet, c'est-à-dire que les cursus maintenant sont autour des projets. Et en fait, ce que disent les chercheurs du MIT Media Lab, c'est qu'il y a 4 P pour apprendre. Il y a les pairs, on se sent, on écoute quelqu'un qui nous ressemble. Il y a les projets, on apprend effectivement en faisant comme vous le disiez. Il y a le plaisir. Ça, c'est hyper important. Donc, le rôle du jeu, le fait qu'on est avec des gens sympas, ça change tout pour apprendre. Et puis, le dernier point, c'est effectivement la passion. C'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre pour apprendre. Si on ne comprend pas à quoi ça sert, on ne va pas le faire. Même quand on comprend à quoi ça sert, on ne va pas le faire. On va le faire parce qu'on a envie de faire un truc. On apprend à faire de la couture parce qu'on a envie de se faire un déguisement. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, quand on considère ces 4 P, il y a plein de choses à faire. On peut faire des classes inversées, on peut faire co-construire effectivement de la connaissance aux étudiants. Et c'est vrai que c'est difficile et que ça met du temps parce que on traite de la connaissance, en fait. On ne traite pas forcément de l'expérience. On ne demande pas de l'expérience et de la réflexivité sur cette expérience. La manière dont on apprend le mieux, c'est quand on transmet quelque chose. Donc si vous voulez qu'un élève progresse sur quelque chose, vous lui demandez de faire le cours. Et là, il se passe des choses extraordinaires. Donc en fait, ça vaut le coup d'essayer. Je sais qu'il y a plein d'endroits où on essaye, évidemment, dans l'enseignement supérieur. Oui, merci. Moi, j'aurais voulu reprendre la partie où je ne sais plus qui a évoqué ça, je pense que c'était M. Franzen, que... il y aurait beaucoup de personnes qui perdraient leur emploi et qu'il faudrait en trouver d'autres et que c'était notamment dû à la révolution industrielle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle « Le Bullshit Job ». C'est vraiment... De Graeber. Oui, c'est ça, de Graeber. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait lire maintenant pour arrêter ce type de mise au travail de gens qui ont des compétences au départ qui sont relativement élevées, donc notamment par exemple les avocats d'affaires, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Il y a toute une série de jobs qui sont considérés, les fameux cols blancs comme on dit, qui sont considérés comme étant des personnes importantes qui gagnent pas trop mal leur vie et qui finalement ne servent la plupart du temps à rien et qui eux-mêmes s'en rendent compte et dépriment et finissent par coûter. Oui, très bonne question. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous le conseille vivement. C'est vraiment très, très intéressant. Quand vous lirez ça, vous reconnaîtrez plein de gens autour de vous. C'est vraiment intéressant. Un avis sur le bullshit job ? En tout cas, on ne peut pas nier que la digitalisation va tuer, va supprimer des jobs. 310 000, on a calculé. Je vous raconte une petite histoire sur les employés administratifs. Actuellement, il y a 110 000 employés purement administratifs de trop. De l'autre côté, dans le monde de l'enseignement, il y a une demande gigantesque de candidats. Et les enseignants me signalent toujours que la charge administrative qu'ils ou elles vivent chaque jour est énorme. On peut quand même s'imaginer des programmes de reconversion ou de formation qui font de ces employés administratifs des gestionnaires de dossiers pédagogiques. La question qui se pose alors est qui va payer pour cette transition ? Qui va payer ? L'employeur actuel ne va pas payer parce que la personne va probablement, après quelques mois, quitter mon organisation.
l'autre école, l'université ne va pas payer parce que la personne n'est pas là. Le gouvernement ne va pas payer parce que le gouvernement ne devra pas payer tout. Mais donc, dans notre système actuellement, qu'est-ce qui se passe? La personne va d'abord perdre son job, devenir, entre guillemets, un coût pour notre société, recevoir une allocation de chômage, pour puis, espérons-nous, qu'il ou elle va commencer un cours et se réorienter sur le marché du travail. Donc il faut anticiper beaucoup plus, il faut devenir beaucoup plus proactif, il faut oser dire quels seront les bullshit jobs qui vont disparaître d'ici peu. Quelqu'un d'autre sur cette thématique ? Oui, le micro. Ouais. On va avoir beaucoup de changements, effectivement. Et le sujet, c'est que c'est souvent pas toujours des jobs qui vont être supprimés, ça va être des tâches aussi. C'est-à-dire que 50% des tâches qu'on fait aujourd'hui n'existeront plus dans 20 ou 25 ans parce qu'il y a cette intelligence artificielle. Après, vont être supprimés tous les jobs intermédiaires de la hiérarchie, tout simplement parce qu'en fait, on ne va plus commander et contrôler. C'est impossible dans un monde complexe de commander, de contrôler ce qui se passe. Donc en fait, on va plutôt être sur des logiques collaboratives. Et là, vous comprenez vite qu'il y a pas mal d'échelons hiérarchiques qui ne vont plus exister. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'entreprises horizontales. Les États vont investir sur la formation massivement. Mais en même temps, c'est de la responsabilité des employeurs de former les gens à leur job. Parce qu'en fait, c'est en situation de travail qu'on se forme. La responsabilité des individus, ça va être de travailler sur leur employabilité, de manière à ne pas être surpris. Parce qu'évidemment, il y a un moment donné, on va leur dire ben, ça va changer, et évidemment, ça ne leur correspondra plus. Peut-être que ça changera et qu'ils pourront rester dans l'organisation en faisant d'autres choses, mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Et donc, c'est d'utilité publique que chacun, aujourd'hui, travaille son employabilité. Et son employabilité, c'est quoi ? Eh ben, c'est les fameuses 4 soft skills dont on a parlé. C'est que 80% des entreprises aujourd'hui vous demandent d'être bon en communication, en collaboration, en pensée critique et en créativité. Pourquoi ? Parce que c'est les compétences qui vous permettent d'apprendre à apprendre. Et c'est les compétences qui vous permettent de gérer des situations complexes. Alors nous, dans notre organisation, on a rajouté une 5e, qui est l'alignement corps-esprit. Parce qu'en fait, on est dans des sociétés où on a une croyance qui est qu'on n'exprime pas nos émotions, que la valeur est dans la tête et pas forcément dans le corps. Et donc, il nous semblait important aussi de mettre l'accent sur cette compétence, alors qu'on peut appeler alignement corps-esprit, qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler travailler sur soi, son bien-être, etc. Voilà, donc le message clé, c'est il faut dire à tout le monde de travailler sur son employabilité, de réfléchir à ses rêves, à ce qu'il a envie de faire, d'aller découvrir d'autres métiers, d'aller discuter avec des gens qui font autre chose, parce qu'il y aura peut-être un tilt qui se fera sur une réorientation. Jérémy avait envie de rebondir sur ceci. Oui, je rebondis sur les deux interventions pour revenir sur votre question. Alors, je rejoins le sujet de l'employabilité. En revanche, je le différencie un petit peu de ce que j'appelle la travaillabilité. C'est l'employabilité, c'est ce qu'il vous faut pour qu'un recruteur accepte de vous recruter. La travaillabilité, c'est votre capacité à créer de la valeur socio-économique dans une organisation. Et donc ça, c'est assez... Je différencie les deux parce que vous parlez par exemple de bullshit job, où vous parlez, ou parfois des personnes vont être très compétentes, mais peu employables parce qu'elles n'ont pas les codes comme le diplôme ou les choses comme ça. Donc je pense qu'il faut que les gens travaillent leur travaillabilité, c'est-à-dire leur capacité à créer de leur valeur, de la valeur, leur employabilité, leur capacité à être recruté. Mais ça, au vu de ce qui va nous arriver, c'est-à-dire des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont a priori des qualifications qu'on pourrait qualifier relativement faibles par rapport à l'ensemble des personnes et qui vont devoir se reskiller, donc acquérir des nouvelles compétences, je pense qu'acquérir des nouvelles compétences ne suffit pas. Et les politiques publiques doivent prendre en compte un sujet important qui est le sujet du cadre et de l'identité de la personne. C'est-à-dire qu'on va aussi demander aux personnes de changer d'univers. Et ça, ça prend en compte un contexte souvent social qui est assez important et donc un accompagnement. Et donc l'accompagnement de demain par les agences pour l'emploi et globalement tous les professionnels autour de l'emploi et de l'orientation, ils ne doivent pas seulement travailler sur l'employabilité et la travaillabilité, mais aussi un peu cette capacité à se décentrer, à sortir du cadre. Donc ça implique une conscience de soi, mais aussi une capacité à trouver son nouveau soi.
et donc une vraie démarche identitaire dans l'emploi. Je pense que c'est la grande différence par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je me retourne vers Nathanaël parce que je pense que François a transmis une question par SMS. Oui, c'était un commentaire. C'était un commentaire au début de l'intervention. Alors, on remet en question évidemment les choses qui sont établies. C'était une question qui s'adressait plus à Ben en prenant l'exemple de ce qui se passe à Taïwan ou en Finlande dans l'interaction que les services publics ont avec les citoyens. Et donc la question est comment toi tu vois, puisque finalement c'est ta responsabilité, l'avenir aussi des compétences pour les fonctionnaires, pour les civil servants et leur interaction aussi avec l'écosystème et l'apprentissage qu'ils doivent mettre en œuvre. Le service public n'est pas différent des autres organisations dans la société. Donc parfois il y a un peu de retard, mais les mêmes évolutions qui se passent dans le monde du travail, dans les organisations privées, dans les usines, se passe aussi dans le secteur public. Et oui, on a un caractère encore assez bureaucratique, mais nous aussi, on s'adapte, on doit s'adapter. Et donc, il y a également l'aplatissement des organisations, donc tout le système hiérarchique qui doit disparaître, on doit s'organiser autrement, mais on doit aussi plus s'ouvrir à une participation par les citoyens, qui est en fait l'utilisateur des services. Et petit à petit, on voit l'évolution. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Et donc, il nous faut peut-être des crises comme maintenant le Covid pour en devenir plus conscient. D'ailleurs, on le dit parfois en Belgique, hein, les grands changements, ce ne se font que grâce à une crise, souvent. Donc, c'est des trucs d'accélérateur. Et donc, oui, le service public n'est pas en dehors de tous ces changements. Mm-hmm. D'ailleurs, je pense qu'on a été tous un peu surpris par le fait qu'on a continué à fournir des services malgré la crise, malgré le travail à distance et tout ça. Donc, mais allez, les pays qui donnent plus de place pour des processus participatifs et qui donnent les citoyens l'opportunité de participer, c'est vers là qu'on va. Maintenant, j'hésite, mais je suis presque sûr qu'à l'avenir, on n'aura pas une seule fonction. Donc, il y a des livres qui parlent du future of work qui disent qu'à l'avenir, une personne aura peut-être 2, 3, 4 rôles à jouer dans des circonstances différentes et qui lui permettent de s'épanouir beaucoup plus. Et donc, oui, l'avenir du service public sera également très différent. L'expérience en Taïwan, je connais moins. Mais... C'est Taïwan, pas la Thaïlande. C'est notamment des collaborations avec des hackers pour résoudre un certain nombre de problèmes. Oui. Nous avons surtout focalisé aux universités, à l'individu jusqu'ici. Je crois que je suis représentant d'une fédération sectorielle. Il faut aussi se focaliser un peu plus aux entreprises. Les entreprises aujourd'hui arrivent à présenter leur stratégie pour le futur, mais souvent elles n'arrivent pas à traduire cette stratégie pour le futur en termes de compétences desquelles ils auront besoin. Et je propose toujours, donc je rebondis sur l'idée de l'organisation du travail autour des projets et des rôles. J'ai coaché quelques entreprises pour un modèle de 70-20-10, où 70% du temps, on passe à son projet principal, pour lequel on est responsable. 20% de son temps, on investit au niveau de soutenir quelqu'un d'autre dans un autre projet. Donc c'est déjà un peu la diversification dans les tâches. Mais 10% du temps, on devrait se préparer pour son rôle de futur, préférablement en lien avec la stratégie de l'entreprise. Mais si ce ne serait pas possible, éventuellement aussi, 10%, ça fait 20 jours, dans la réorientation vers un nouveau profil. Merci, Yaron. Alors, il y a encore peut-être deux questions, et puis on va clôturer. Deux questions au panel. Alors, j'ai vu que Arnaud Termonia, qui est le responsable de la formation continue, et c'était vraiment un des messages clés de la keynote de Saskia. Effectivement, il faut apprendre en continu. Arnaud, est-ce que tu as une question à formuler ? Attends le micro, Arnaud, parce que sinon les personnes à distance ne t'entendent pas.
Merci. On a parlé d'employabilité, de travaillabilité, et j'avais envie de peut-être de vous entendre aussi sur le concept donc de cette learnability dont vous avez, que vous avez évoqué notamment et qui se trouve fort dans le rapport de Be the Change. Et donc, comment est-ce qu'on peut entretenir, développer, motiver à développer cette learnability tout au long de la vie avec tous les acteurs de l'écosystème en question et singulièrement les universités, puisque elles ont un rôle de plus en plus important à jouer dans cette thématique-là. Je veux bien prendre la parole sur ce sujet parce qu'on a, on mène des expérimentations en France actuellement avec des universités, donc sur plusieurs, plusieurs types de projets. On a deux projets. Donc chez Jobteaser, on travaille sur l'orientation et l'insertion vers l'emploi des jeunes. Donc on accompagne plus de 700 établissements d'enseignement supérieur en Europe, dont l'ULB, pour permettre aux jeunes de trouver des emplois, s'informer sur les entreprises. Et avec mon équipe de recherche, donc on travaille sur la science de l'accompagnement à l'orientation et comment arriver à digitaliser en partie cette science. Et donc ce qu'on apprend dans la science de l'orientation notamment, c'est que l'orientation, ce n'est pas du tout le placement, ce n'est pas du tout trouver un emploi, c'est un peu trouver le sens de sa contribution dans la société tout au long de la vie. C'est-à-dire aussi, ce n'est pas seulement la trouver une fois, c'est apprendre à retrouver en permanence ce sens-là. Et donc tout ça, c'est une discipline qui s'appelle la psychologie de l'orientation, qui aujourd'hui correspond à un ensemble de pratiques assez bien définies. Et donc aujourd'hui, on essaye d'inclure ça donc à l'EM Lyon, à l'ESCP bientôt, à l'Université de Lyon 1. On est en train d'inclure ça dans le cursus universitaire, donc dans le cursus scolaire, dans le curriculum, où en fait les étudiants vont avoir des ateliers et des cours donc de réflexivité et de préparation à l'orientation pour se mettre dans une démarche réflexive en continu. Donc en fait, l'objectif, c'est que l'être humain, il sait apprendre. Il faut juste que les personnes soient dans une démarche où c'est naturel pour eux de se questionner régulièrement sur qui ils veulent être dans la société. Je pense qu'on parle, par exemple, de l'emploi. Le sujet, ce n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est le cadre du travail. Le sujet, c'est la contribution qu'on veut avoir dans la société. Et si on commence à raisonner en termes de quelle contribution on veut avoir dans la société, on se posera régulièrement des questions sur notre emploi et sur le prochain. Merci. Je me permets de reprendre quand même une question que Nadine vous a posée tout à l'heure. En particulier dans le numérique, on voit le 42, on voit le wagon, on voit la grande école du numérique en France. On a la même chose ici en Belgique avec l'initiative notamment de Bicentrale à Bruxelles, qui est le plus grand campus numérique en Europe en fait, pour l'apprentissage. Et on voit donc qu'il y a des formes alternatives aussi d'apprentissage qui sont proposées par rapport à l'université. Voilà. Comment vous voyez l'éclosion de ces nouvelles formes d'apprentissage et cette diversité finalement et le rôle de l'université par rapport à ça? Merci. Pour moi en tout cas, c'est une clé qui permet d'entrer sur le marché du travail. La bonne nouvelle est que tous ceux qui veulent travailler auront un job à effectuer. Et les cours comme chez Bicode pourraient offrir la clé pour entrer au marché du travail. La mauvaise nouvelle est que ces gens ne seront jamais prêts à 100%. Ils devront continuer à apprendre tout au long de leur vie. Et ce qui se passe, c'est que pour les experts numériques, where the magic happens, hein, c'est là où se croisent deux séries de compétences. D'abord les compétences numériques, mais aussi les compétences spécifiques liées au secteur dans lequel ils font leur boulot. Ah, le codage, mais je code pour le secteur de la logistique. Donc il faut aussi apprendre un peu à connaître la réalité du secteur de la logistique. Et donc c'est ces carrefours de connaissances qui deviennent de plus en plus importantes. Un autre commentaire, et puis je passe à la dernière question pour Saskia. En fait, il y a de multiples lieux d'apprentissage. Donc l'université en est un, la pratique en entreprise en est un autre, vos parents en sont un, vos collègues. Donc en fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait à classer ou à
Je crois qu'il faut s'inspirer en fonction de sa personnalité. L'université ne correspond pas à tout le monde en termes de mode en fait, d'apprentissage. Donc je crois qu'on a une offre de formation qui est de plus en plus diverse. Donc ça, c'est formidable. Il faut que chacun trouve sa clé, ce qui lui convient. Et surtout, je pense qu'il faut surtout décloisonner. C'est-à-dire qu'on peut apprendre le code à n'importe quel âge. On peut apprendre des choses sur lesquelles on a fait de la psycho, bah très bien. En Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ils font ça très très bien. On passe d'un sujet à l'autre. Dans notre culture, en tout cas française, c'est beaucoup plus difficile de passer d'un sujet à l'autre. Donc je pense qu'il y a ce décloisonnement qui est important. Le fait de considérer aussi qu'un certain nombre de formations sont des formations qui sont valables. Aujourd'hui, il y a eu l'initiative de la Grande École du Numérique en France qui a labellisé justement toutes ces petites formations de 3 mois, 4 mois qui vous donnaient la capacité à accéder au code. On est en train d'avoir un projet autour de la Grande École de la Transition aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont faites en matière de transition. Alors, il y a plein de petites écoles, mais tout ça n'est pas très reconnu. Voilà, donc la question, c'est de donner de la visibilité à tous les moyens de formation. Alors, avec France Apprenante, nous, on travaille plutôt sur la formation continue. Et ce dont on se rend compte, c'est que y a des outils formidables aujourd'hui qui font de l'adaptive learning, du micro-learning, etc., mais qui ne sont pas diffusés à l'échelle. Et donc ça, c'est ce à quoi nous, on essaye de s'employer. Et puis, il y a surtout des méthodes qui ne sont pas pédagogiques. Les sciences cognitives ont énormément apporté en matière d'apprentissage. Et donc, on sait que la classe inversée, c'est-à-dire quand c'est les élèves qui commencent à faire le cours et que l'enseignant vient compléter sur les inexactitudes ou sur les points clés, on sait que c'est beaucoup plus performant en matière d'apprentissage. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut commencer à passer à l'échelle et sortir de nos croyances limitantes qui sont que l'apprentissage, c'est la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance, c'est l'expérience. Il faut de la connaissance, c'est de l'expérience, c'est en continu. Et donc, je crois qu'on a vraiment un travail collectif à faire sur nos croyances par rapport à ce que c'est qu'un métier, à ce que c'est qu'un apprentissage, à ce que c'est que l'école et les lieux de formation. Merci Marie-Pierre. Alors, la dernière question pour notre Digital Champion. C'est une question, c'est un problème très complexe. Et j'ai un peu peur que ça va nous prendre beaucoup de temps. Ah oui. Donc, je vais reprendre sur la remarque au niveau de Bullshit Job. Supposons que cette nuit, il n'y a plus les gouvernements, il n'y a plus de problème d'argent, il n'y a plus de problème de secteur, et vous avez à prendre une décision pour faire avancer le problème. Quel est le choix que vous allez faire? Je vais me permettre de demander une précision. Si jamais il n'y a plus de gouvernement, qui prend cette décision? C'est à moi? Par quelle autorité? Et c'est quel le problème qui... Et quel est le problème à résoudre? C'est-à-dire que ma question est rhétorique. C'est-à-dire que si demain, on n'a plus aucune centralisation, que tout est complètement décentralisé, une personne, la décision d'une personne ne compte pas, parce qu'on ne pourra pas l'exécuter. Je comprends, mais l'exécution, c'est quelle est la priorité qu'on doit choisir? Aujourd'hui, on est 2021... On voit dans tous les pays qu'on va droit dans le mur, aussi bien au niveau de la prospérité, mais aussi au niveau du bien-être. Donc on n'a pas de temps à perdre. Et j'ai peur que l'année prochaine, on sera encore d'avoir cette même discussion, et l'année d'après, on aura encore la même discussion. Donc sur base de vos expériences, ouais. Si demain, il n'y a pas de limite, vous avez tous les moyens, j'organise l'exécution, pas de souci, mais quelle priorité à choisir? Peut-être je peux reformuler aussi, Saskia, parce que je sais ce que tu veux dire. Si tout était possible, quoi. Hein, si tout était possible, c'est quoi la priorité, allez, selon vous? Quelle est la priorité qu'il faut faire? L'éducation et la rééducation. L'alternance pour toute filière de l'enseignement supérieur. Oui. Le plaisir de faire et de réaliser. Oui. Marie-Pierre, alors? Moi, j'aime bien le plaisir aussi. un investissement massif pour que les gens reprennent confiance en eux et justement puissent aborder cette... Donc, c'est quoi? C'est de la formation, de l'accompagnement, du développement personnel, du développement professionnel. Voilà. C'est de l'investissement. Et d'ailleurs, le plan de relance, en tout cas en France, consacre 15 milliards là-dessus, en particulier aux gens les plus défavorisés.
Et le plan IA, dans cette deuxième phase, pour 1,5 milliard en France, consacre 800 millions à la formation. Donc ça, ça a été annoncé la semaine passée. Donc voilà, petite aparté. Alors, on va clôturer. Je voulais simplement signaler aussi que le cycle de conférences ici se trouve sous le haut patronage de notre secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel, et du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric Haut. Donc c'est une vraie collaboration. Et je remercie encore nos panélistes, Nadine, à qui je vais passer la parole. Ce que je propose, c'est qu'on se mette peut-être tous avec Saskia ici et qu'on prenne une photo, tous ceux qui veulent. Et puis je vous remercie. Je te passe la parole pour le dernier mot. Oui, juste vous remercier d'être venu à l'ULB ce soir pour suivre cette conférence. Vraiment vous remercier pour votre attention et répondre à la question de Saskia. On passe tous les programmes en apprentissage par problème et par projet. Ça va ? On fait ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.